Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour cette mise à jour de Hunter en 3.8.7.0. Alors, la dernière fois, pour la mise à jour précédente, il y avait beaucoup plus de choses. Là, c'est un peu plus réduit, mais c'est tout aussi intéressant et je vais vous le montrer déjà pour commencer. Vous le voyez sur le générateur, il y a un pourcentage de fuel. C'est-à-dire qu'il a besoin de fuel pour fonctionner. Il est à 49% actuellement, sinon le fonctionnement reste pareil. Hein. Voilà. Et vous entendez un bruit en fait par-dessus, donc ça c'est le deuxième ajout. Il y a un petit bruit d'interrupteur, start off, voilà. Et évidemment, le fuel diminue lorsqu'on l'utilise, ça paraît logique. Alors, on va le laisser un petit peu juste pour voir combien de temps dure le pourcent là qui s'est enlevé. On est à 49%, voilà, donc on va attendre un petit peu. Alors, on va commencer les choses proprement. J'ai ici des jerrycans. Voilà, que je vais utiliser justement pour tester ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais utiliser des nouveaux. Alors, c'est pas ici, c'est ceci. J'ai utilisé un générateur évidemment pour tester ça. Alors, on va placer le générateur donc ici. Et j'en profite pour vous montrer justement la nouvelle mise à jour qu'il y a à ce niveau-là. Vous voyez le rond jaune là qu'il y a, c'est le radius, ce qui s'appelle le radius, donc le rayon en fait d'action du générateur. Donc là, il est assez large, on le voit bien. Je vais mettre une lampe à l'intérieur, une lampe à l'extérieur, hein, pour tester. Donc je le mets d'abord ici. Donc vous voyez qu'automatiquement, il se met en route. Par contre, après, le radius disparaît. Donc là, j'ai perdu 1%. C'est normal, je dois être à 99,9% de fuel. Donc ça a baissé déjà un petit peu. Le problème, c'est que du coup, je ne vois pas en fait où c'était. Mais c'est pas grave. Alors, c'est pas ici, c'est ici. On va tester ça de suite. Donc je vais en mettre un, alors voilà, on voit aussi le radius hein, sur les spotlights. Donc là si j'en mets un là, forcément ça va marcher. Voilà, donc il éclaire bien, il est mis en on directement, pareil le bruit, hein, je répète, si vous l'entendez. Et le deuxième je vais le mettre par ici, donc là hors du générateur, à savoir voilà, ici à peu près, alors on va peut-être faire ça propre, du tout l'éloigner par ici. Donc ici là il n'est plus actif, normalement, on va vérifier ça. S'il est actif, parce que j'ai dû le mettre légèrement trop près du générateur. Mais voilà, il y a bien un radius. Donc voilà, donc là ça a déjà diminué à 98%. Vous voyez, là ça fait peut-être 2 minutes que je tourne. Et celui-là est à voilà, 47%. Alors on va les remplir, vous allez voir. Si je le remplis, comme ceci. Donc là on regarde, il est à 96%. En fait, c'est 50% par bidon pour les générateurs. Sinon, autre nouveauté, c'est pour ça que j'ai pris plusieurs bidons. Lorsque je clique sur un bidon, vous voyez en bas, c'est écrit full. Donc là, on sait que le bidon est full. Si on clique sur le deuxième, donc là, c'est pas écrit en fait dans le menu, hein, faut vraiment cliquer dessus. Voilà, là, il met empty parce que je viens de le vider. Donc ça, c'était encore une amélioration. Sinon, on va voir ici, les plantes. Il y a la même chose pour les plantes. Il y a aussi le pourcentage comment on appelle ça, de croissance. Donc là je vais aller sur, voilà, sur un plan où je peux le poser. Voilà, donc voilà, il met growing 0%. Donc on va tous essayer pour voir en combien de temps ça met à peu près à bouger. Comme ça on saura. Voilà, j'ai pris tous hein, pour voir s'il y a vraiment une différence ou pas. Alors je sais pas si on le verra parce que du coup la vidéo va être assez courte. Donc voilà, un autre là et un autre là. Alors je sais plus ce que c'est, hein. Il y a patates, maïs, laitue, tomates et d'ailleurs c'est même pas indiqué en fait, mais bon. Donc là c'est déjà 2%, vous voyez, 1%, 1%, 1% et 0% encore celui-là. D'accord, donc je sais pas s'il y a une partie aléatoire ou pas, mais je ne pense pas parce que ça a l'air de respecter 2%, 3%, ouais. Est-ce qu'on essaye? Je vais juste voir si ça fonctionne. Voilà, d'accord, donc là voilà, ça le met directement à 100%. Pareil pour lui. Donc ça fonctionne bien aussi. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour, malgré qu'il y a des petites améliorations comme ceci, mais c'est pas des ajouts. Comme vous le voyez, les remparts ont été légèrement coupés. Donc ça, c'est, je sais pas s'il va l'améliorer ou pas. En tout cas, on voit la tranche désormais du bois. Et là, vous voyez, c'est un peu moins que la moitié. Alors qu'avant, c'était la moitié d'un mur normal, les remparts. Là, c'est un tiers à peu près, hein, je dirais. Bon, voilà. Sinon, j'ai pas parlé aussi de la lumière. Je parlais de ça quand même. Le spotlight éclaire un peu moins. Vous le voyez. Parce que là, il éclairait vraiment à fond. Hein, si vous avez vu la vidéo de la mise à jour précédente, il éclairait vraiment au maximum. Et désormais, voilà, il éclaire un petit peu moins. Parce que c'est vrai que ça cramait quand même un petit peu les yeux. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde quand même s'il n'y a pas
deux petites nouveautés, mais après ce sont des choses beaucoup moins. C'est plus des corrections de bugs en fait, hein, que des ajouts ou des améliorations. En tout cas, là pour le moment, ce sont les mises à jour principales. Donc, du coup, je pense qu'on va se laisser. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!